L'objectif, c'est de pouvoir aider chacun à se lier et à se connecter à ses ancêtres. Donc, vous trouverez des outils informatiques avec des bases de données qui ont été préparées, développées et mises en ligne gratuitement par FamilySearch pour que chacun puisse y accéder. On a FamilySearch est peut-être la plus grande ressource généalogique du monde entier, très certainement, avec des milliards de documents. Vous pouvez retrouver des documents de tous les pays du monde qui vous aident un petit peu à faire le lien et à savoir où étaient vos ancêtres, qui ils étaient, et à trouver les données nécessaires pour remonter votre arbre généalogique. Le plus important pour nous, ou je dirais d'une grande importance pour nous, c'est pas seulement toute cette partie généalogique, mais ce qui est important pour nous, c'est ce que l'on appelle en fait l'histoire familiale. Donc c'est bien plus qu'aller rechercher des dates et des lieux, mais c'est vraiment d'aider chaque personne à aller reconstruire un petit peu la vie de ses ancêtres et en découvrir davantage sur eux-mêmes. Si on en découvre davantage sur ces personnes, on en découvre davantage sur nous-mêmes. Et donc on a des outils aussi informatiques qui permettent de préserver vos photos, préserver les histoires de vos ancêtres et les rattacher à votre arbre généalogique. On a d'autres outils que l'on appelle des expériences de découverte. Donc une personne qui viendra ici pourra découvrir sa ressemblance avec les visages de ses ancêtres par exemple. Des tas d'activités comme celle-ci qui permettent de découvrir l'histoire familiale et ensuite de permettre à chacun de découvrir ses ancêtres. Dans ce centre d'histoire familiale, vous trouverez des activités pour les enfants, des tas d'activités qui aident les enfants à mieux comprendre d'où ils viennent, à faire un lien entre leur vie aujourd'hui et leurs ancêtres. Un enfant qui est connecté à sa famille, qui apprend des histoires sur ses ancêtres, qui découvre qui étaient ses ancêtres, a davantage d'équilibre dans sa vie aujourd'hui. On a des merveilleuses personnes qui sont là bénévolement et qui seront prêtes à vous accueillir ou à accueillir les visiteurs à tout moment et avoir une petite expérience de découverte eux-mêmes. Le lieu permettra à chacun, peu importe ses connaissances en généalogie ou non, ses connaissances dans l'histoire familiale ou non, pourra commencer à quelque part, là où il est, et avancer sur ce processus.